L'Association des maires ruraux de France est une des associations d'élus, donc on connaît toujours la plus médiatique, l'Association des maires de France, mais en fait il y a quasiment une dizaine d'associations qui représentent les collectivités, donc dont 8 d'élus. Et effectivement, chacun sa spécialité de montagne, de bord de mer, donc ou de grande ville. Et donc nous, notre spécialité, c'est effectivement les communes rurales de moins de 3500 habitants. L'Association des maires ruraux donc, travaille sur un certain nombre de thématiques, 5 plans différents. Donc le premier se situe sur la question du rapport entre l'élu et le citoyen et la République. Et donc avec un travail important sur la question de la réforme constitutionnelle, où on essaie d'être une force de proposition pour justement qu'il y ait une considération de la ruralité dans la Constitution et dans la réforme constitutionnelle à venir, pour bien laisser la place à la ruralité. Dans ce cadre aussi, donc, il y a la question du statut de l'élu. Donc, les élus, on dit souvent qu'il n'y a pas assez ou trop de fonctionnaires, ou pas assez de ci, pas assez de ça. Et donc, effectivement, le statut de l'élu dépend du statut de l'élu, dépend les gens qui vont se présenter à ce type d'élection. Donc, notre ambition est qu'on crée un vrai statut de l'élu, qui ne soit pas un travail, mais bien une fonction. Et donc, sur le fait, on pourrait... avec un statut particulier, des indemnités calculées, des formations intéressantes, donc de pouvoir, parce qu'il y ait un réel statut de l'élu. Entre les communes rurales et les mouvements d'éducation populaire, il y a une vraie proximité. En fait, il y a un lien direct avec donc pour les uns, la commune avec ses habitants, pour les autres, l'association, qui est la plupart du temps la structure porteuse d'une action de ce genre-là, et les adhérents et les personnes qui participent. La question est affinitairement, on a une vraie proximité, de fait, entre les personnes, et je pense que c'est ça qui nous lie dans les modalités de relations. Bon, certaines communes ont quand même une gazette municipale, mais la plupart du temps, on passe quand même en direct les informations, et je pense que cette proximité est très très importante, et je pense que c'est ce qui réunit peut-être les communes rurales et les structures d'éducation populaire. Les structures d'éducation populaire ont besoin d'un certain nombre de choses pour fonctionner, et donc à la fois de formation, de personnel, et donc ce qu'il faut aux communes rurales, c'est qu'il y ait une entité plus générale, type fédération, qui puisse s'occuper de cette partie, de former les animateurs, les responsables, quelle que soit un petit peu leur fonction, même éventuellement le personnel technique, pour que les associations, enfin dans les communes rurales, on puisse bénéficier, solliciter ces personnes pour intervenir dans nos structures modestes, qui sont la plupart du temps intercommunales finalement, à plusieurs villages. On organise soit un centre de loisirs, soit une action culturelle. Et donc dans ce cas-là, mais il faut que les gens, la condition, c'est que les gens soient formés, soutenus en amont par des financements spécifiques.